Selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, entre 350 000 et 460 000 événements indésirables graves se produisent chaque année à l'hôpital. Ils sont essentiellement produits par des actes invasifs, médicaments, chirurgie, implants. On pourrait en éviter jusqu'à 190 000. On estime à 750 000 le nombre d'infections nosocomiales par an. 30% pourraient être évités. Un patient sur 10 rentrant à l'hôpital subit un événement indésirable lié aux soins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 30 000 patients décèdent tous les ans d'accidents médicaux dans nos hôpitaux. La Fédération hospitalière de France estime qu'il y aurait entre 200 000 et 400 000 opérations chirurgicales inutiles en France tous les ans. 144 000 patients sont hospitalisés inutilement chaque année en raison des médicaments prescrits, selon l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les médicaments prescrits sur ordonnance tuent plus que les accidents de la route, la pneumonie ou le diabète. La plupart des effets secondaires sont pris pour de nouvelles maladies ou de nouveaux symptômes, aboutissant à l'administration de soins et de médicaments supplémentaires, ce qui augmente encore le risque de décès. Le coût des effets secondaires représente 79 milliards d'euros au sein de l'Union européenne. Il tue près de 200 000 Européens tous les ans. S'il y a autant de réactions négatives aux médicaments en France et en Europe, c'est en raison du nombre de médicaments consommés et prescrits. De nombreux patients se voient prescrire une foule de médicaments aux dosages variés et aux effets contradictoires qui peuvent interagir et provoquer des réactions bien plus graves lorsqu'ils sont combinés. Nous avons atteint le point de saturation pour la prescription des médicaments. Nous sommes arrivés au stade où toutes les eaux testées contiennent des restes mesurables de médicaments. Les tonnes d'antibiotiques utilisées dans l'élevage de ferme, qui se répandent dans toutes nos rivières, donnent aux bactéries présentes dans les systèmes de traitement des eaux une résistance accrue aux antibiotiques. On retrouve ces bactéries dans nos réserves d'eau. La France détient le record de la consommation de médicaments en Europe. Les pharmacies distribuent tous les ans plus de 1500 unités de médicaments par patient contre 1000 en Allemagne et 750 en Italie. En 2010, 50 boîtes de médicaments ont été prescrites par personne en France, ce qui fait plus de 3 milliards de boîtes de médicaments vendues dans l'année. 50% des Français âgés de plus de 65 ans prennent entre 1 et 4 médicaments chaque jour. 38% de ces Français prennent de 5 à 10 médicaments par jour. 1% de ces Français prennent plus de 10 médicaments différents par jour. Les médecins français prescrivent 4 fois plus que les médecins britanniques, irlandais, italiens ou grecs, et 6 fois plus que les Danois, les Belges et les Allemands, selon le chercheur Bertolt Würmser, un expert européen sur les questions de santé. À âge égal, beaucoup de Français ont des problèmes de santé qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Les maladies dégénératives sont de plus en plus répandues. L'incidence de plusieurs cancers a doublé. 12% des personnes âgées de 80 ans sont atteintes de démence sénile que l'on pourrait éviter. Nos personnes âgées sont assommées de médicaments et ne s'en portent pas mieux. Le système de santé en France privilégie le traitement de la maladie et non la prévention. Si l'on en juge par les seules dépenses de santé, la France devrait être le pays où l'on vit le plus longtemps en bonne santé. Mais ce n'est pas le cas. Le pire, c'est que nous savons pourquoi. Le système de santé ne traite que les maladies. Cette politique est liée aux stratégies de marketing ultra sophistiquées des grands laboratoires pharmaceutiques. La fraude, autant chez les patients que les prescripteurs, et par l'industrie pharmaceutique elle-même. Les prescriptions systématiques et erronées. Les procédures médicales et les hospitalisations inutiles. La médecine moderne ne s'occupe plus de la santé. C'est une industrie mercantile de la maladie qui ne peut survivre que si des millions de personnes deviennent malades et le reste. C'est une industrie qui refuse de prendre en compte des aspects vitaux de la santé comme le fait que le stress affaiblit le système immunitaire ou que la nourriture industrielle, le tabac, l'excès de calories et le manque d'exercice sont des causes directes de la maladie ou encore que le contact avec des milliers de toxines présentes dans notre environnement et dans notre alimentation ont un lien direct avec nos maladies. On nous dit de faire attention au soleil. Mais de plus en plus de personnes meurent chaque année de cancer en raison de manque d'exposition au soleil. Le marketing mensonger a changé nos habitudes alimentaires. Les consommateurs se sont massivement tournés vers les produits alimentaires industriels ou mauvais pour la santé. Tant que nous ne changerons pas l'orientation de notre système de santé, rien ne changera. Nous devons mener une vie plus saine, faire plus d'exercices et adopter des régimes alimentaires adaptés à nos systèmes immunitaires. Nous devrions combattre la maladie, la prévenir
et éviter au maximum tous les dommages collatéraux pour les patients. Mais une analyse attentive et objective des faits montre que ce n'est pas le cas. Il est temps d'arrêter de bombarder notre organisme de médicaments et d'aller chercher une bonne santé en vivant de manière saine et équilibrée. Le temps est venu de reprendre le contrôle sur notre santé.